Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 12 février 1900. La Chambre vient de discuter, à propos du budget de l'agriculture, la question de la fièvre aphteuse qui, depuis de longs mois, exerce de véritables ravages d'un bout de la France à l'autre. Un certain nombre de députés de province ayant accusé le marché aux bestiaux de la Villette d'être un des principaux centres d'infection, Monsieur Charles Boss, député de Paris, a vigoureusement protesté contre cette accusation, en déclarant que ce n'était point à la ville de Paris qu'il convenait de s'en prendre, mais aux compagnies de chemin de fer, lesquelles avaient découvert un moyen particulier de désinfecter les wagons. « Vous avez tous vu, a dit M. Boss, circuler sur nos voies ferrées, des wagons de bestiaux portant une étiquette à désinfecter. Eh bien, quand ces wagons arrivent à la gare de triage, vous croyez peut-être qu'ils vont subir un lavage antiseptique. Détrompez-vous, les employés se contentent de décoller l'étiquette à désinfecter, de la remplacer par une autre étiquette désinfectée, et voilà la seule opération à laquelle on se livre. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, de réclamer à chaque expéditeur en bestiaux une certaine somme pour la désinfection. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain. »